Tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Carto Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On voyait le petit gars des poissons, donc on va recréer la rivière en poisson. On va voir le verre. Essayez pour voir. Hein? Ah! J'en prends. Oh, quelque chose qui remue dans l'eau, c'est qu'il a dit? Ça a marché! Yes! J'ai attrapé un petit verre. Oui, un petit verre. Peut-être la poisson reste encore par là. Un morceau, ok. Dit, ça va pas être ça, regarde de nouveau. Gold tabarnak. Tête, le corps. Ah. Tête, le corps, là. Bon. L'eau remue, lance un petit, allez, lance-la!
Oh yeah. J'ai attrapé un persil déco. Ouais, c'est ça, comme la déco. Enfin le poisson rouge. Peut-être par là. Deux, trois. Oh yeah. S'échapper un peu. Ah, j'ai pas appuyé, de toute façon. Et le dernier, ça va être... C'est là, hein. Tiens. Où les morceaux? Ah, sti. Ben, j'ai du manque à inverser les deux. Lâche-toi. Tapez un bandit bleu, bon. On a gagné. Et on dirait que quelqu'un a attrapé tous les types de poissons. Apportez vos prises et vérifions.
si attraper tous les poissons, on va gagner la carte. Il nous mènera à l'iceberg. Effectivement. Effectivement. Voyons voir ces poissons. Ils proviennent bien du lac Iliac de chaque type. Les gagnants du concours sont Rihanna et son ami. Le prix vous revient. Oh yeah! Gagnez-les. C'est un plaisir de t'avoir revu, petite. Peut-être que tu vas d'autres îles à visiter. Surtout avec celle belle océanique que tu as gagnée. Carte, tellement de questions à poser au sujet de Shiannon. Ta vie lui appartient. Dis-moi juste, va-t-elle bien? Est-elle heureuse? Merci d'être une si bonne amie envers elle. Tu seras toujours la bienvenue ici. Toi aussi, Rihanna, tes talents de pêcheur étaient impressionnants. Tu as dû grandir sur une île. Puis-je te demander laquelle? Ah, vous devez avoir hâte de partir pour votre prochaine destination. Je ne nous en veux pas, l'océan est vaste. Mais les mers vous ressembleront à un nouveau. Un tel est leur souhait. Au revoir. Malade. Hey, Carto. Merci de m'avoir aidé. Je suis si content de voir mes parents et tous les autres vont bien. Même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moins de poissons. Tu m'as aidé à rentrer et à revoir les miens. Il est temps que j'en fasse de même pour toi. On va retrouver ta grand-mère, ça fait aucun doute. Direction le bout du monde, droit vers l'iceberg. On a réussi, on a terminé le chapitre 8. Oh, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et si froid. Il serait mieux de déplacer le bateau avant qu'il retrouve bloqué dans la glace. Et si tu veux commencer à chercher ta grand-mère tout de suite, je te rejoindrai après avoir trouvé un meilleur endroit où accoster. Pas de soucis. Oh, bonjour. Je suis venu chercher de la nourriture. Je ne m'attendais pas à trouver une nouvelle amie. Tu m'as l'air d'avoir froid, petit flocon. On m'en échappe. Il te tiendra chaud. Merci. Entends qu'elle te plaise, et j'en ai plein d'autres. La vie est difficile ici. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps avant d'arriver ici. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Tu vas aller là ou quoi? Le pan de bois délabré, il a l'air sur le point de s'effondrer. Bon, je pense qu'on arrive. Oh, un gros morceau de carte, ça. L'autre bord pareil. Je vais vérifier que ça fait. Peut-être une ouverture là, je vais aller voir, je vais finir.
Pour ça, je suis pas au bon endroit parce que... Ah, moins que... Ah, imbécile. Attention! Il est toujours agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau, même si je suis actuellement en mauvaise posture. Je suis reparti sans mon sac après mon dernier repas. J'ai abandonné mes cornichons. J'étais sur le versant opposé de la montagne de l'autre côté du pan. J'ai besoin d'un outil dans mon sac pour réparer le pan. Bref, tu vois le problème, je suis un véritable cornichon. Faut que je reste. De stockage bien enneigé, bien fermé. Et voilà votre sac, monsieur. Bien réussi, petit cornichon. Bien, mettons-nous au travail. Comme neuf. Que les chèvres sont allés migrer dans des coins plus chauds, nous avons du mal à gravir les montagnes. Les pans nous sauvent la vie. Je vais m'occuper des autres pans, mais je dois un concombre. Croiser Louac sur ton chemin, il a réparé le pont avant de partir en baragouinant quelque chose à propos de cornichons.
et à réparer le pont.
Et ouais. Je me rends suffisant. Alors, on se... ouais. Bonjour, tu dois être le nouveau venu. Les nouvelles voyages vite ici. Contrairement à nos icebergs. En fait, nos icebergs se déplacent très lentement. Ils se séparent et dérivent parfois des heures durant des jours entiers. Tout ça pour se retrouver, mais dans une configuration différente. Luark dit qu'il a 7 icebergs, mais nous avons compté que 6. Je crois quand même parce que c'est un expert en matière d'archéologie et de survie. Tout le monde apporte sa contribution ici. Tech-Coc, pour protéger les bêtes des glaces, Lucie m'a fait un joli pull à partir d'épines de pin et de fourrure. Et j'ai navigué sur le sol entier pour cartographier les mouvements des icebergs. Tu trouveras certainement un rôle qui te convient si tu te restes. Si tu te restes. T'attraperas peut-être un brochet. Il manque une touche finale. La porte est verrouillée de l'autre côté. Bon. Le côté qui n'a pas... Ah. Thank you.
Ouais. Ah bah je me suis rendu où je voulais. Lancer un glace glissant. Bon. Yeah. Hein. Tu n'es pas une bête. Des glaces, même pas une bête tout court. Ouf, j'ai failli faire une de ces fourrures. Et on dirait bien qu'une bête en a fait voir. Approche, je vais te faire un petit bandage. Quand on se parlait de la légende de Luwak, notre chef est un grand aventurier. Il dit que nous trouverons un jour un trésor sur un 7e iceberg exclusif. Les chasseurs de trésors viennent des quatre coins du monde après avoir entendu la légende. Mais la plupart finissent par se décourager et quitter l'iceberg. Je suppose que nous autres qui sommes restés, nous accrochons toujours à un semblant d'espoir. Est-ce que la légende qui t'amène ici, jeune voyageur? Je vois, nous avons tous notre propre idée de ce qu'est un trésor. Tu trouveras bien le tien. Je n'en doute pas. Personnellement, je voudrais un peu d'aide pour la chasse. Et maintenant, on s'est perdu de sa superbe force de combattre tous les bêtes de glace ou de dessiner dans la glace pendant que je cherche. Voilà, tu as bien rafistolé, reste au chaud. J'espère que mon écharpe va bien tenir au chaud. Est-ce que tu aimes le nouveau modèle que tu portes? Ouais, je viens toujours de ton côté. Excellent, c'est la contribution de la communauté, tout le monde. Ta méthode en ce qui concerne la tienne, je vois que tu possèdes un sens d'orientation et que tu ne t'espères jamais. Peut-être des lois qu'à chercher le trésor, et j'ai un sentiment entendu parler, qu'est-ce que ça peut bien être? Finalement, j'espère qu'il s'agit d'un matériau infini chaud. Mes doigts s'engourdissent constamment quand je tricote avec mes gants. J'ai tellement hâte de me réchauffer les mains. Bonjour, comment on se trouve? Malheureusement, je viens tout juste de donner mon dernier cornichon. Je vais te parler de cette base où nous nous trouvons. Il est relié à différentes régions des Iceberg, une derrière chaque porte. Ainsi, où que les Iceberg dérivent, nous pouvons y accéder. Est-ce que tu apprécies les anecdotes bien fraîches? Malade. En plus facile de déplacer en... Bonne chance. Je vais apporter de l'autre côté. «
peux rentrer de l'autre côté, j'ai rentré par l'eau. Bonjour! N'arrive pas à croire que tu sois arrivé jusqu'ici. Je pensais que seul Louak osait braver les passages brumeux. Il me rejoint parfois ici pour étudier le vieux phare. Il est persuadé qu'il y a un lien avec le 7e iceberg car nous sommes trop loin de la côte pour être utile au bateau. Comme je suis incapable de me repérer dans le brouillard, je me déplace généralement avec un morceau de banquise. J'étudie les tendances des courants depuis que j'ai mis les pieds ici. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce curieux morceau de papier qui était échoué sur le rivage. Tu lui trouveras peut-être une utilité. J'essaie de faire flotter un message jusqu'à mon île natale depuis des années. Je l'ai quitté il y a plus de 10 ans, mais mon peuple me manque toujours. Il y a quelques règles qui indiquent qu'on ne peut pas revenir après un passage à la dune. Oh, c'est lui, ça. Ce bateau de bois incroyable. Je reconnais cette méthode de sculpture entre mille. C'est le travail de ma mère. Je vais aller sur mon île. Est-ce qu'il y a d'elle pour moi? Ça m'a touché énormément, merci mille fois. Je ne peux pas revoir mes parents, mais savoir qu'ils pensent toujours à moi. Ça me réchauffe le cœur, mais si, je ne sais pas quelle force cosmique nous a mis sur le chemin l'un de l'autre, jeune étrangère. Mais je te remercie. Même si la nation nous sépare, je ressens l'amour de mon peuple. Merci encore. Par un moment donné, oublié même par la mer. On est à la bonne place tantôt, là, tabac.
Quand je t'ai trouvé. Toi. Et là, bon. Et j'étais assez occupé à réparer le pont que j'ai oublié de m'occuper du monolithe. Je ne laisse pas la neige s'accumuler autant d'habitude. Bien sûr, j'ai oublié mon sac d'outils avec mon thé. C'est que je n'ai même pas pu le récompenser d'un simple comme la dernière fois, mais pourquoi aller chercher mon sac dans le bois venteux. Le vent s'est levé au dernier moment et je n'ai même pas à me lever. Ah, par contre, tu vas traverser quoi sans l'instant. Je suis bien m'aider avec un vieil homme une fois de plus. J'ai une rouette qui s'accroche malgré tout à la bourrasque. Et le bois venteux, c'est là que je peux pas y aller, c'est ça? Retrouver mon sac, merci beaucoup. C'est que je reste muré quelques cornichons, ils seront à toi, promis. En attendant, donne-moi une minute pour débrayer cette neige. Voilà. Elle a trouvé toute sa majesté, regarde ses motifs. Les Français ont dû abandonner cet endroit il y a plusieurs icebergs. Le climat était devenu inhospitalier. Les gens racontent qu'ils ont laissé un trésor derrière eux, un trésor d'une valeur inestimable, d'une utilité immesurable. Ils ont fini par revenir ici et mettre au point la nouvelle méthode de survie. Je cherche le trésor depuis ce jour et je reste convaincu que nous le retrouverons sous le légendaire 7e iceberg. Parce que je ne sais plus où me tourner, je viens chercher l'inspiration auprès de ce monolithe. Mais comme l'impression que j'ai le motif laissé par un ancêtre présente un indice. Il y a un motif différent de chaque côté du monolithe, peut-être sauras-tu les déchiffrer. Un monolithe ancien avec trois motifs mystérieux.
Vois-tu, n'agage pas le moment rare et précieux. Les motifs splendides et différents sous tous les angles. Okay. Une étincelle avec les trois motifs mystérieux. Telle monnaie sous différents angles, pratiquement. Ah. Étincelle avec trois motifs mystérieux. C'est illuminé. Mmh.
fait, je crois. J'ai réussi à en faire un, mais je sais pas comment. Bon, prends une pause. C'est tout. Le jeu Carto, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!